J'hésite à prendre le casque ou pas. Mais arrête, putain, mais c'est quoi tous ces trucs là qu'il y a? The following is back. Welcome to the world of Back for Blood. A thrilling cooperative first. Ouais, c'est que ces animations dégueulasses là. Creators of the critically acclaimed Left 4 Dead franchise. You are at the center of a war against the Ridden. Bah mon casque il coûte quasiment 200 hein. Mon casque est mieux. Même moi je suis mitigé à ma réussite, mais non, t'inquiète. Bah pourquoi tu veux le prendre alors? Déjà toi, yes, merci. En plus, ils m'ont dit que j'avais le garage, du coup je suis trop content. Oh bien ça. En plus, on a le garage pour... Alors Auron, le muselet en gros, c'est celui qu'il y a au niveau de... Là où on avait le concess joueur. Enfin en gros, où les gens allaient mettre leur véhicule à vendre sur le serveur Paradise. En gros, c'est ce garage-là, en fait, que nous, on va avoir. Ah, je leur ai pas demandé s'il allait y avoir d'autres garages que nous. Putain, ces trucs que je devais leur demander, j'ai oublié. When Back 4 Blood launches, gamers may assume the role of 8 playable characters, known as cleaners. In addition to distinct personalities, each of these cleaners has their own unique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça en fait, on va avoir, et du coup, comme il m'a dit, on va avoir un côté concessionnaire parce que du coup, on va pouvoir racheter des véhicules aux joueurs et les revendre. Et le côté customisation réparation du coup. Donc c'est cool, c'est pile ce que je voulais en fait. C'est vraiment pile ce que je voulais. Trop content. Là vraiment on va pouvoir vraiment faire notre illégal, notre légal. Et j'ai envie de vous dire des trucs qu'ils m'ont dit, mais du coup je sais pas si je peux vous le dire en fait, genre enfin je sais pas si je peux le dire en live. Bon je pense hein, mais... When you enter a mission, the game director will play what are called corruption cards. This will make the game more difficult, dynamic, and intense for the players. For example, spawning larger hordes of enemies, generating fog. Sinon, je joue quand là? Ah, l'alpha, c'est juste on parle avec des gens? Enfin, c'est une vidéo l'alpha ou quoi? Putain, il y a un système de cartes, je sais pas quoi là. Such as faster healing or the ability to hold more ammo. These cards are earned by completing certain challenges and objectives. In the final game, players will be able to customize their decks to best take on whatever threat comes their way. Quoi? The combinations are endless, leaving you with a unique experience every time. Ok, donc en fait les cartes c'est des habilités qu'on va pouvoir combiner avec d'autres cartes pour faire des... Enfin en gros il y a certaines cartes qui se combinent en fait entre elles pour faire des trucs un peu plus intéressants. Et en fonction de comment des cartes qu'on prend, du coup en fonction du deck qu'on prend, et ben les parties peuvent être totalement différentes quoi apparemment. Donc on verra. Juin 2021, acte numéro 1. Je sais pas si je joue avec des joueurs ou si je suis tout seul. Alors déjà nous on va prendre... déjà on va regarder un petit peu leur gueule. On a du coup... oh bah attends on va prendre le... Ah non je croyais que c'était un vieux mais c'est pas un vieux. Hoffman, il a un petit pistolet. On a Oli avec une batte de baseball cloutée. On a lui avec un Glock. Qu'est-ce que... Peut-être que la batte de baseball, en vrai, je serais assez intéressé pour prendre la batte de baseball. Mais en vrai, je pense prendre lui. Athlète x2, best life, hein, melee damage. Non, c'est quoi? Bah si, regarde, il y a un mec qui vient de me rejoindre. Ah bah alors, oh le bâtard! Bon bah je... Putain! Hold F to lock in. Ok, et du coup maintenant, Corruption Card. Là, faut que je choisisse mes cartes du coup. Mais what?
Fanny Pack. Grenade Push. Plus 100% explosif damage, plus 50% explosif résistance. Plus 1 support inventory, plus 1 offensive inventory. Allez, je vais prendre ça. Précision kill grant you 10% movement spread for 4 seconds. Ouais. Ready to go. Ok, donc t'as un truc pour acheter. Bah, c'est bizarre, c'est la campagne normalement. On commence la campagne comme ça? Je pense qu'on n'a pas toute la campagne. Hein. On doit être dans une... Ça doit être comme Left 4 Dead, genre t'as différentes sections de map. Ok. Waiting for player. On a une barre de stamina. Le jeu a l'air plutôt fluide. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui, du coup? Tiens, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à vendre. Firecrackers. Ok, attire les ennemis. Ok, frag grenade. Je peux m'acheter des trucs, hein. Tout le kit. On va s'acheter ça. Hop là. Quand j'appuie sur F, du coup, ça déverrouille une porte. Genre celle-là, par exemple. Non. Qu'est-ce qu'ils branlent? Ils font quoi? Faut attendre? Oula, what? Ah, mais le mec vient... Oh, d'accord, on a un bot avec nous. Press tap to open your inventory. Ok. Donc on peut custom les armes qu'on a, on peut activer nos cartes. D'accord. D'accord, donc ça à tout moment on peut les activer, d'accord. Offensive, là j'ai des munitions, là j'ai le toolkit. Ok. Oh, quel bonheur. Oh, oh, oh. Presse V to... Attends. V, pourquoi? Ok, ça peut donner des coups au corps à corps. D'accord, donc t'as un... Oula, what? What? Oula! En fait, j'ai rien dit, le jeu faisait des baisses d'FPS. Il y a une horde. Putain, mais le bot il arrête pas de se d'être à terre. De malade. Comment on le relève? Il y a quelqu'un qui le relève là.
Je récupère tout, je leur laisse rien quoi. Oh, j'ai récupéré un peu de thune. Donc quand je récupère de la thune, je pense que toute l'équipe récupère la thune. C'est plutôt pas mal. Putain, je sais pas combien je récupère de trucs, mais là j'en récupère pas mal. Hein. Vas-y, je vais tourner la manivelle. Oh, il y a zéro animation. J'espère avoir l'accès sur Kay. Ouais, mais après, fais la demande aussi sur leur site. Pourquoi t'as pas fait la demande sur leur site? Putain, le mec il passe devant moi, mais quel Peut-être que tu peux toujours la faire hein, si tu veux la demande. Oh putain. Mais what the fuck, il a foncé contre le mur ce con. Oh. Oh, comment je me soigne? Je peux pas me soigner. Il est si low. Ouais, je peux pas me soigner. Ouais, c'est quoi ce truc? Ah merde, y'en a un, il est tombé, putain. Oh mais ils sont tous tombés ou c'est comment là? Mais sans déconner! Ils sont tous tombés, non mais vraiment, mais quelle bande de... Non mais les branleurs quoi. Mais protège-moi! Oh les branleurs, j'ai moins de vie qu'eux et c'est moi qui survis quoi. Sans déconner. Nom de Dieu. Mais me tire pas dessus, mais quel connard! C'est incroyable! Malikai. Et qu'est-ce que c'est, du coup, Malikai là? Je peux rien faire pour l'aider? Ouais. Y'a un truc d'intéressant là? Ça c'est bon ça. Ah, ça par contre, comment on fait pour se soigner là? Alors attends. 1. Oui, il veut... Mais mets-le. Putain, ça marche pas. Voilà. Hop. J'ai
J'ai annulé la commande. Je crois que je vais attendre pour commander le casque. Pourquoi tu veux attendre? Qu'est-ce qu'ils font? Oh merde! C'est pas moi! Non! Ah d'accord, donc t'as le même principe que les voitures, sauf que c'est des... Oh! C'est quoi? What the fuck? Oh non, j'ai plus de balles. Ok, bon, allez, corps à corps. En fait, mes potes me tirent dessus, donc c'est pas ouf. Wouah, ok. Oh, on peut grimper sur les murs comme ça, c'est cool ça. Nom de Dieu, je vais crever. Sont morts mes potes ou quoi? Ah bah je me suis fait éclater frère. Je me suis fait éclater. Bah, je retrouve pas ce fun de Left 4 Dead hein, par contre. Bon après c'est une alpha hein, mais je retrouve pas le fun de Left 4 Dead. How disappointing. Comment ça se fait que moi je suis mort en fait alors que lui il a réussi à le relever? After you. Forgive my lack of enthusiasm for this exercise. But I suffered from a particularly bad ear infection as a child and my equilibrium has never fully recovered. Jesus Hoffman, sometimes I don't understand. Ah mais ils peuvent me revive. Ah mais non c'est Bot Walker là-bas. What? Oh c'est trop bizarre. Wesh le bot frère. Aussi inutile quoi. Non mais sans déconner, le bot il sert à rien frère, il tire même... Bah il est mort. Ils vont pouvoir me revive à un moment comme ils ont fait avec le bot du coup. Ah mais je peux prendre la place du bot. Je peux prendre la place du bot, ça c'est cool. Ça c'est une bonne fonctionnalité, elle aurait été sur Left 4 Dead, elle aurait été cool. Ah J'arrive. Il n'y a pas de truc à récupérer comme dans... Attends. Ah oui d'accord. Red and curled. F. Comment vous le trouvez vous pour l'instant le jeu?
Ok, il y a trois parties en fait sur cette map. Corpse and Court. Attends, mais à chaque fois tu récupères de nouveaux trucs? C'est bizarre. On récupère de nouveaux trucs à chaque fois. Du coup là j'ai 350, je peux upgrade des trucs. J'ai pas assez d'argent. Je peux acheter des munitions. Je peux acheter des ajouts également, switch weapon. Défibrillateur. Bandage, petite grenade, cocktail molotov. J'avoue que là on va peut-être garder nos trucs. Peut-être acheter des munitions. Voilà. Est-ce que... Okay. Oh! Oh ça c'est cool ça! Aïe! Putain, il y a une petite combine! Oh bah ouais! Il y a une petite combinaison de touches, tu tapes une fois avec l'arme au corps à corps. Je me fais vomir. Tu tapes une fois avec l'arme au corps à corps et après merde, c'est mon allié. J'ai tapé mon allié. Bon bah j'ai recommencé en plus. Comme si c'était pas suffisant, j'ai recommencé pas. Wesh. Mais non, mais c'est pas possible. Ah. Putain, ils font sur moi sa mère. Oh non, sans déconner. Il me voit pas. Il est con, l'ogre, il me voit pas, l'ogre. Sans déconner, l'ogre me voit pas, j'arrive à réanimer mes trois potes. Aïe, bon bah là par contre. Oh non, sans déconner. Ah vas-y. Mais gros. Ah mais c'est que des bots. Ah mais c'est que des bots. J'avais pas tilté mais c'est que des bots en fait avec qui je joue. Peut-être pour ça que c'est chiant. C'est que des bots en fait. Merde. Returning to last checkpoint. Est-ce que vous pensez qu'il va être disponible sur console ce jeu? Bon, je pense que oui. Left 4 Dead 2, il était disponible sur console. C'est le genre de jeu qui pourrait être disponible sur console en vrai. Tac. T'as quoi, moi je vais m'acheter des grenades parce que l'autre patard là. J'ai plein de thunes. Comment ça se fait que j'ai autant de thunes là? Faut que j'appuie dessus pour les activer les cartes. Ah non, elles sont. C'est des cartes passives en fait. Cadence de frappe avec le l'arme au corps à corps mon pote. Non mais gros, au bout d'un moment réfléchis, va pas dans les flammes.
Oh merde. Pardon. Bâtard. Oh non mais genre, c'est pas possible bro, mais qu'est-ce que je peux rien faire tout seul hein. C'est impossible d'aller tout seul. C'est impossible de jouer tout seul à ce jeu en fait. Les bots ils sont trop cons bro, c'est pas possible. Aïe. Non mais gros, mais what. Les bots sont trop cons gros, mais c'est incroyable. C'est pas un jeu solo, ouais, mais bon, quand t'as pas de potes, tu fais comment? Pension man. Pension man. Ah, en plus, je suis en mode classique gros, hein. Après, il y a Nightmare. Nom de Dieu. Pension man. Pension man. Pension man. Ah là, j'ai pas de pote. RIP. On va voir si ça trouve des gens. Ah, ça déjà ça a trouvé plus vite que tout à l'heure. Pension man. Pension man. Pension man. What? Pourquoi moi je peux pas vivre en fait? Mais gros, mais je rejoue avec des bots frère. Non mais c'est bon. Pas intéressant de jouer avec des bots. Ouais, ils sont au même endroit que moi tout à l'heure. Sauf que eux, j'ai l'impression qu'ils ont tué l'ogre. Ah, son pistolet, lui, il a munitions limitées comparé à moi ou à... Ah bah, les deux bots, ils sont morts. Mecs qui ont accès à MDR, comment ça? Bah là, moi je tombe que sur des bots. Hein. Après, je pense que la plupart des gens, comme tu dis, ils jouent avec leurs potes, hein. Ils jouent pas tout seuls. Over here! Over here! M2R. En plus là du coup on va devoir se retaper l'ogre, putain. Pension man. Ah mais c'est à nous de voter. Rate match. Je sais pas. Zo. Vas-y, moi je vais prendre lui. Ta-ta-ta. Bon, comment on a dit, Mosley Garage GTA 5. Parce qu'ils ils ont pas de logo en plus, je suppose.
Je pense pas qu'ils aient de logo. Ah, faut que je sélectionne mes cartes. Putain, j'ai pas tilté, je suis con. Oh mais genre, je suis loin quoi, non mais sans déconner. En vrai, faut tirer dans le bras. C'est des genres de zones en fait, des zones sensibles. Je vais les attendre, j'ai pas envie d'avancer trop vite. Comme ils ont l'air de bien gérer eux. Oh merde. Oh merde. Comment ils font? Ah, on peut pas remonter. Ils ont déjà des techniques et tout, frère. Ils ont déjà des techniques de bâtard pour tuer les ogres et tout. Truc de dingue. Ouais, merde. Ils sont pas très très résistants les grands mobs. C'est juste que du coup what? Oh bah je me suis fait violer en fait. Je me suis fait violer, what the fuck. Là je peux utiliser ma machette par terre, c'est trop drôle. Merde mon frère. Ah oh, mais il y a l'autre là-haut là. Putain, son pseudo Steam au mec c'est D. Oh merde, 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 merde.
N'oublie pas de mettre ton nom RP sur Steam. Yes, mais là, on n'est pas en RP là. Oh, mais je suis en train de taper un allié! Oh non, quel connard je suis! Mais what the fuck? Le mec il est en train de me relever, je croyais que c'était un méchant, mais non, en fait c'est mon allié. Je suis un bolos gros. Zibolos quoi. Après, honnêtement, hein, je vous le dis, moi ils m'ont dit quand est-ce que le serveur allait potentiellement ouvrir. Ça sera pas tout de suite. Hein. Ils m'ont dit le serveur il ouvrerait pas avant. Enfin, ils pensent que. Ils hésitent à l'ouvrir. Ils hésitent à l'ouvrir maintenant à cause des fêtes. Eh merde. Je suis mort ? Ah ouais. Ils hésiteraient. Alors en gros, il va y avoir une phase de test. Une fois la phase de test, faite, il va y avoir, du coup, ils vont regarder. Enfin, une phase de test avec des joueurs lambda. Enfin, hein, des vrais joueurs. What ? Il a ses cheveux qui deviennent orange lui. Quand il tire ? What the fuck ? Une phase de stress test public, histoire de voir si tout va bien. Donc nous, on pourra être mécano. Il n'y aura pas l'illégal, hein, justement, pour éviter tout problème. Oula, 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 ma game est full bug. Et en gros, on pourra, du coup, faire du mécano. Regardez un petit peu si tout va bien. Et en fait, une fois que le stress test sera terminé, le temps qui corrige les bugs potentiels trouvés durant le stress test. Et après, ils ouvrent. Donc en gros, si le stress test, si je dis bien des si, parce que je sais pas quand est-ce que c'est. Si c'est la semaine prochaine, il est fort probable que le serveur il ouvre pas avant janvier quoi. Donc voilà. Au moins, moi je suis waitlist. Je suis tranquille, en plus ils ont dit qu'on avait le garage. Oh, nickel, merci pour le logo Floel, parce que je suis en train de regarder justement là. Pension man. Pension man. Pension man. Oui, j'ai compris, merci. No way through. Du coup, tu récupères tes armes d'avant que tu sois mort. Donc c'est pas comme Left 4 Dead où du coup tu reviens à poil quasiment. Là, tu reviens avec tes armes que t'avais avant de crever quoi. Ah, elles sont quand même pas mal longues hein, les missions là. Hein. Eux ils sont vraiment hyper simples à tuer. Hein. Faut vraiment qu'ils les boostent parce que en 3 balles ils sont morts. Oh là ils me rush! Oh genre.
que tu peux pas péter la boule avant qu'il la jette en fait. Tu peux pas la péter. Ok. Donc voilà. Et ce que je voulais dire en gros, c'est que après plus tard, on aura le droit d'avoir une run spécifique à nous en fait. Genre par exemple, on leur fait voilà, en fait, on aimerait bien avoir une run. Histoire de pouvoir se... Enfin, c'est un peu comme par exemple les bûcherons, sauf qu'en gros ce sera une run spécifique, enfin, comme les vignerons, donc on va chercher du raisin, on va le traiter et ensuite on va... les vendre. En fait on va avoir... On pourra potentiellement avoir la même chose avec la mafia, donc après avoir ce qu'on prend comme objet en gros à faire. Du coup j'ai dit les armes en fait, genre on crée des armes et... Et on les revend, mais ça c'est déjà pris par un autre groupe, donc ça on pourra pas le faire. Et stay clear. Comment ça stay clear? Mais du coup ouais, enfin ça dépend de l'organisation, mais nous en fait on aura justement cette possibilité de pouvoir demander à avoir une run. À avoir une run pour nous quoi. Peut-être prendre un pépon en vrai. Oh là, c'est peut-être pas ouf le pépon en vrai. Mais genre, mais toi tu me touches, sérieux. Alcool de contrebande, ouais voilà, c'est ce que j'ai dit. Après ils m'ont dit, après tu gagneras pas assez d'argent à faire de l'alcool ou des cigares ou des trucs dans le genre. Mais après si on les revend à des PNJ, si ça se base sur le même prix que les autres, après voilà quoi, on gagnera quand même suffisamment de thunes. Bon certes, eux ils revendront peut-être... leurs armes plus chères que nous, mais au final ils mettront plus de temps à la créer, donc au final c'est sera la même chose quoi. Mais ouais, voir justement pour faire de l'alcool de contrebande ou des cigares ou ce genre de conneries, enfin une run en tout cas qu'on pourra faire illégale, on pourra faire à côté pour gagner de l'argent sale sans forcément devoir passer par la coque. Je sais que de toute façon au début on va être contraint de devoir passer par la coque. Ça malheureusement hein, c'est con de le dire, mais malheureusement on va être obligé de passer par les trucs illégaux. C'est chiant. Parce que tant qu'on n'aura pas du coup justement cette run qui nous permettra de pouvoir... Merde, j'arrive pas à savoir si on perd de la vie quand on les tape. Je sais pas. Tant qu'on aura pas notre truc, et ben on pourra pas faire. Attention, y'a rien ici, putain de merde. Ah si, c'est là, ok. You miss French fries, I miss French fries. I mean, how could you not miss French fries? What the heck about it? Déjà qu'on passe tous la douane. Ouais, déjà qu'on passe tous la douane. Mais franchement, j'ai... Je sais que vous passerez la douane, ça, y'a aucun souci. What? Fermez la porte, bordel de Dieu. Bon, je sais que vous passerez la douane, hein. Sans aucun souci, bien évidemment. Putain, j'ai froid. du coup, là, moi, je suis en train de chercher, justement, le site où j'étais allé la dernière fois pour avoir les fontes GTA. Je sais pas si je vais réussir à récupérer la fonte du truc, là.
Oula. Historique. Fonte. GTA 5 fonte. Venise. GTA fonte. Corleone fonte. Beckett. Grand Theft Auto download. Putain, je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé le truc. Je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé, mais je crois que. Ah bah voilà, c'était là. C'était. Du coup, nous on a le Mosley. Putain, y a pas. Y a pas le. Y a pas le truc. Bon, on est dans la dernière partie du jeu, enfin de la map, de la campagne. Donc regardons un petit peu ce qu'on a. On peut s'acheter des trucs comme ça, en vrai, ça peut être sympa, mais je vous avoue que c'est pas ouf. Défibrillateur, ammo pack, ça peut être intéressant. Déjà se racheter des munes également, bah du coup déjà on peut plus rien s'acheter. Du coup bah on va s'acheter ça et ça. Allez hop. De toute façon on est sur la dernière map, donc forcément. Oh non, j'ai acheté. Non. Oh. Wesh. Oh, oh. I'm a badass. Question règlement, ouais, c'est vrai que après moi ils m'ont donné des idées simples, mais j'avoue que question règlement en général, c'est chaud du cul quoi. Franchement, ils ont pas l'air d'être chiants sur la douane. Vu que c'est le début, ils ont pas l'air d'être trop chiants sur la douane. Donc, je pense que tu devrais pas t'inquiéter pour ça. T'as duré longtemps. Alors moi j'ai duré longtemps, mais toi tu dureras longtemps aussi. Mais moi j'ai duré longtemps parce que justement on a parlé du garage, de savoir comment ça allait se passer, quel garage j'allais avoir. On a parlé gestion du garage, étant donné que je suis patron, quel genre de truc je vais avoir, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, comment gérer, enfin comment, enfin vraiment on a parlé du garage quoi, tu vois. Et merde. Et vu que toi tu seras chef de groupe, tu vas sûrement durer pas mal de temps aussi. Du coup, parce que du coup, faudra dire ce qu'on compte faire, l'endroit où on va aller, etc. Qui te donne les accès. Enfin, il y aura plein de trucs qu'il faudra qu'il va avec toi le jour J, quoi. Donc, moi j'ai vraiment duré longtemps parce que justement, j'étais patron, sinon. Depuis longtemps, j'aurais terminé. Pension, ma... Pension, ah, une AK. Je veux l'AK. La mise en situation était chiante, non, mise en situation ça va, on m'a, non, t'es flic, y'a des gens, ils viennent te braquer, qu'est-ce que tu fais? t'es dans ta voiture de keuf, t'es armé, t'es tout seul, y'a 4 mecs qui descendent de leur véhicule cagoulé, armé, qu'est-ce que tu fais? Bah, logique, hein, je fais pas le malin, je lève les mains en l'air. Ouais, c'est ce genre de questions, en vrai c'est des questions cons, ça devrait, ça le fait tu vois, genre c'est des questions de logique. Il y en a une où je me suis posé des questions quand même, genre tu marches dans la rue et d'un coup t'entends une sirène d'alarme de magasin. Vu que je suis dans l'illégal, ben je savais pas trop comment
comment réagir, mais du coup, ce que j'ai dit, c'est bah j'appelle les keufs et je me casse. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ouais, mais faut appelle les keufs quand même, non? Quand bat les couilles, t'appelles pas les keufs? Après, même s'ils sont censés avoir l'information, mais tu vois, c'est toujours bien d'appeler les... de dire j'appelle les keufs. Ça prouve qu'à côté de ton truc illégal, t'as l'alarme, c'est que les flics sont déjà alertés. Bah... là, j'ai pas cette... ce truc à me dire d'appuyer sur V pour taper les mecs au corps à corps. J'ai tellement l'impression d'être sur du Left 4 Dead. Un peu moins bien, par contre. Mais franchement, ouais, je le trouve moins bien que Left 4 Dead. Hein. Sur ce que je vois depuis tout à l'heure, moins fun que Left... enfin, vraiment moins bien que Left 4 Dead, quoi. Pension man. Pension man. Why did this happen to me? Instead of you, for example. Ouais, je me dis ça aussi. Oh, y'a plein d'animations qui manquent, hein. Mais bon, ça sera réglé bientôt, ça. Sorry. Putain. Je me suis soigné tout à l'heure, sa mère. Ils sont où les oiseaux là? Bah ouais. Je l'ai fait deux fois en plus, moi, ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux t'accrocher aux parois. C'est vraiment cool, ça. T'as un petit côté climbing. Faut que je trouve un truc pour me soigner là parce que je vais crever moi. Ah bah voilà. Ouais, j'ai dodo, bonne nuit et bonne fin de live. Bonne nuit, Floel. Bon, de toute façon, je vais arrêter le live à la fin de la game là. Cool, hein. Je m'achète là. You're gonna be fine.
think I need a catchphrase for moments like this. You know? Something cool. Par contre, tu peux faire avec la machette, tu fais qu'un kill à la fois, quoi. Wesh, mais qui c'est qui me tape? Y'a pas de lampe torche en plus dans le jeu. You miss French fries? I miss French fries? I mean, how could you not miss French fries? So why am I thinking about pizza? The pizza. Nom d'un chien.